Ok, freestyle du dimanche, saison 4, épisode 4. Le thème, l'histoire du hip-hop. Lucas. Ma vie c'est le hip-hop, laisse-moi raconter son histoire. Apparue dans le Bronx à New York, inventée par la communauté noire. Les années 70, expression revendication, crée les disciplines. Le rap contestataire, le break et bien sûr le graffiti. Tout le quartier se réunissait autour d'une bonne block party. Poser platine et fait cracher les MC, des concerts pas chers pour ceux qui misèrent dans la vie. Laisse-moi te parler de ce qu'on appelle le break. Une danse à ras du sol, les passe-passe se manifestent à part en battle. Différents styles sont utilisés, ça monte des équipes dans la rue histoire de s'affronter. Laisse-moi te parler de ce qu'on appelle le graff, ça commencer avec des tags, les premiers blasts, les sort marques sur les murs ou à l'intérieur du métro. Puis se créer des lettres, des personnages sous fond de fresques. Les trains de plus en plus beaux, complètement redécorés. Les premiers walkers ont commencé à tourner. La dernière catégorie de la famille, c'est les DJ. Sampler des morceaux pour que les MC puissent venir s'exprimer, poser, kicker. C'est la naissance du scratch. Big up à tous les pionniers du mouvement, comme Grandmaster Flash, Africa Bambaataa et bien d'autres qui représentent la racine de l'art du hip hop. Let's talk about the hip-hop all around the clock. Underground connections all the way to Europe, many other countries. All around the world there is some dope MCs in the rap industry. In 50 years has become a billion dollar business. The game has completely changed, mumble rapping filthiness, going platinum, so here comes to this 6ix9ine snitch. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang bitch. No more consciousness in the lyrics. In a world full of lunatics, there's plenty of bad music. Getting fame while MCs getting rich. Wack MC is getting rich. Was ist bloß mit dem Hip-Hop? Bloß ich fühl, jetzt wäre nichts mehr gut. Das sind Angebot, wenn du von manchen Dingen redest, wirst du auf jeden Fall bedroht. Das Rap-Game ist rot wie der Tod. Der Mensch kann wirklich ein Idiot sein. Wissen nicht fein, es herrscht die Gewalt und deshalb immer wieder heißer Brei. Die Leute wollen sich verfeiern, wir sollten diesen Scheiß vermeiden. Sich respektieren, sozusagen wie die Brüder sich vertragen. Hip-Hop nimmt den guten Fall und stellen uns die guten Fragen. Wir stellen uns die guten Fragen. Ich lebe für Hip-Hop, es hat sich verändert. Ich glaube, die Kultur geht durchs Jahrhundert. Überall wird gesprüht, überall wird gerappt, überall wird getanzt, der Hip-Hop ist unser Glanz, der Hip-Hop ist unser Glanz.